Donc bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de QGenix et QTenix. Donc on y va pour la 15e session de Ninja Gaiden Yaiba, Ninja Gaiden Z. Donc bienvenue sur Ultra Gameplay, je suis votre autre, le cher QGenix. Et on y va pour la suite des aventures du Ninja Yaiba. Donc là j'ai un point à attribuer, coup de fouet spinal. Pelier électrique, c'est bon. Entrer le mode ninja et se déplacer plus rapidement que les ennemis après avoir effectué un contre. Non. Mornemuse. Maintenez le B pour une nouvelle compétence d'esprit toxique et 50% de durabilité en plus. Non. Rigor mortier. Maintenez B, une nouvelle compétence de lance-flamme et 50% de durabilité en plus. Non. Les mini-jeux de lutte sont plus faciles à gagner, non? Ils sont déjà assez faciles comme ça. Donc moi, je vais... je pense que... Ah, je n'ai pas eu. La jauge de soif de sang peut gagner 100% supplémentaire et durer encore plus longtemps. Bon. Je vais y aller avec ça. Donc, bienvenue sur Ultra Gameplay. Donc, c'est quoi Ultra Gameplay? C'est moi qui joue à des jeux... Je vous montre des jeux qui sont un peu hors du commun ou bien qui ont pu traverser le temps. Donc ça c'est Ultra Gameplay. Donc là, ça c'est la session de Ninja Gaiden Z Yaiba sur 360 qui est sorti il y a 10 ans, en 2014. Donc là, Ultra Gameplay c'est juste des sessions de jeu d'environ 24 minutes. Puis l'essentiel là-dedans, c'est de progresser. On y va, on progresse. Le jeu il est pas super difficile, mais il y a des bouts vraiment très comme là. J'ai dû recommencer cette zone là au complet pour, parce que je n'étais pas capable de le faire dans le mode normal. Donc j'ai dû le mettre en mode facile. Mais au moins là, on va peut-être pouvoir progresser. Donc je vais mettre ma tronche ici. Comme ça. Et voilà. Donc on y va, on continue. Donc Ultra Gameplay, c'est ça, c'est des stations environ une vingtaine de minutes de jeu. Puis j'essaie de vous faire découvrir des trucs ou des astuces, mettons. Mettons que vous ne connaissez pas ce jeu-là, ben, je vous montre un peu comment pouvoir progresser dedans. Donc ce jeu-là est aussi disponible sur Steam, mais également je crois bien sur PS3. Donc c'est un hors série comme... un projet différent de la ligne traditionnelle des Ninja Gaiden. On y va. Qu'est-ce que je peux voir? Donc là, échappé bloqué. Donc moi ce que je veux c'est que ça progresse. Donc là j'étais plus capable de progresser dans les combats. Donc j'ai dû sans avoir le choix. J'ai dû remettre la facile puis refaire la séquence. Donc là, ça va progresser. Yes sir. Donc moi je suis QGenix. Il y a d'autres épisodes aussi que vous pouvez aller voir de les premières sessions de Ninja Gaiden Z. Les boss sont pas très réussis pour être en fait. Mais à partir de la 5e, je crois que ça va bien. Donc j'utilise le programme OBS. Si vous voulez aussi utiliser ce logiciel là. Par contre, si vous voulez l'utiliser, ça me prend un boîtier de capture HD. Ça me prend seulement ça de nos jours si vous voulez soit streamer sur Twitch ou bien enregistrer comme ça le stream sur YouTube ou bien enregistrer et taper en upload. Donc, yes sir! Donc ce boîtier qui est accessible, qui est à bon prix sur Amazon, moi j'avais payé 50$ le 2 ans. Alors peut-être que c'est encore le même prix. Donc moi c'est le boîtier 4K. Je sais pas c'est quoi le nom de la marque. Je trouve qu'il fonctionne bien. Quoique des fois j'ai des problèmes avec. Donc le problème c'est qu'il y a des lags. Il capture bien. Pour ce qui est de la base. Là. Capture bien. Des fois c'est ça, des séquences coupées, donc
Ben, je suis vraiment inquiète puisque la porte des consoles, c'est toujours par la rue. Ok. Je vais encore aller en chercher un autre. Hello. Donc ça, je suis content parce qu'on pourra progresser enfin cette série-là. Ça va plus être cool, on va être content de mettre la facile peut-être. On y va, on progresse. C'est ça qui compte. Oh yes. Okay. Bon, ça c'est les zones, partie du jeu qui sont plus action. Maintenant, on n'a pas grand chose, on a plus le bouton, puis ça se fait. Oh, c'est impressive. Why does it take such a behemoth facility to process this material? What is its source? Why is it green? If a mew talks with his hands full, is it considered bad manners? C'est pas si bizarre que ça quand même. Donc, si vous appréciez les vidéos autorisées, mettez un j'aime par vous écouter. Ça m'aide d'avoir de l'activité, puis ça m'aide aussi à monter sur l'algorithme de YouTube. Donc, vous avez sûrement remarqué que je suis un Québécois. J'ai l'impression que je parle. Donc, je trouve que ça fait longtemps que j'essaie de passer sur YouTube. Je dois admettre que Québec, c'est pas quelque chose de vraiment reconnu. Je dirais que c'est un peu tabou, puis que le monde fait le fait que c'est réussi. Ah oui. C'est souvent pour ça que je vous montre de mettre un j'aime. Abonnez-vous pour faire un changement. Donc, ça se peut que prochainement je mette des produits en vente. Je ne sais pas de produits en vente qui marchent. Donc moi on s'est créé une compagnie, Cutenix et moi. Donc bon, c'est là que j'étais rendu. Donc c'est ça. Prochainement on va mettre des produits à vendre en ligne. Donc yes sir. Là c'était là que j'étais pas capable de faire des trucs fort un peu. C'est trop fort comme son là. J'ai juste gueulé là-dedans. On va y aller pour ça. Ok. Je vais mettre la musique aussi qui est vraiment spécial. On va aller dans les options. Audio. Musique, on va mettre ça dans le tapis. On le teint. Donc qu'est-ce ça là? Donc là ça va progresser, là il y a tout le niaisage. Donc, je suis pas capable de les battre tout ce monstre-là dans la zone normale, c'est fou. Là c'est vraiment plus facile. On va progresser au moins pour la suite. J'ai pas pensé à l'entendre. Donc leurs coups sont moins efficaces. Oh, un big bang. On ne peut pas faire mal passer. Wow. Bon, je me suis fait battre. Mais au moins ça progresse, donc je suis sûr que je vais pouvoir les battre là. Donc c'est là que je me suis rendu, j'ai essayé de capturer les combats avec ça pour quand j'allais réussir à le faire au mode normal. Donc ça c'est un boîtier HDMI. Donc j'ai enregistré 36 séquences comme ça là, comme on vient de voir, juste depuis une semaine. Donc
J'ai aussi essayé de faire des épisodes comme ça, d'Ultra Gameplay, des sessions. Puis, non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, j'ai pas réussi à progresser partout, tranquille. Là, on y va. Sinon, je suis pas plus du mix. On se concentre. Ça progresse, mon truc. La violence. Oh yeah. On aime ça, la violence, parce que... Man. Oh, chut. Et bien, ça, alors... Ça, c'est les habits qui font des choses sur lui, je sais pas pourquoi... Pas plus compliqué que ça. Allez, on progresse. Donc, on peut bloquer, on peut parer, on peut contrer, on peut se déplacer comme ça. Avec le ninja, le slide. On va appeler ça le slide. C'est ça. On va le taper. On voit rien. Donc je vais fortement mourir. C'est assez vivi quand même. Franchement, ça, j'ai réussi à bloquer, puis ça va me faire attaquer. Ah. Ok, go. Donc ça, c'est le pouvoir de la rage. Donc on n'en peut plus. On n'en peut plus. Donc, dernière zone. What? Le feu. Comment on peut progresser. Comment on dévie. On va y arriver. That's it, man. D'ailleurs, on peut... Ah ouais. C'est pas stressant, mais on aime ça. Pas plus, d'ailleurs. Sauf d'un jeu ninja. Oh. Okay. Come on. Come on, Divi. Oh no. Oh ouais, je me suis fait battre comme ça. Vraiment là, il doit rester focus hein, pour ce tour-là. Même à Easy, c'est pas tout le temps facile. Faut vraiment apprendre à être concentré, puis faire les bons moves au bon moment, se tasser, bloquer. Donc c'est beaucoup de stratégie mais rapide au combat là. On a vraiment l'impression d'être y aille pas. Donc, quand même bien fait pour un jeu d'Xbox 360 qui a 10 ans. Comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est avec le moteur de Unreal de l'époque. Donc je pense que c'était le 4. Il y a ça. Donc, yes, sir. Encore être en progrès, non au moins. Sans avoir trop de vagues, je peux pas réussir à arriver.
actually finishing. Of course, that's it. Ce texte-là, c'est ta tête. Donc, c'est ça. Donc, si vous êtes, si vous avez du contenu, ben, mettez un j'aime. Vous avez peut-être tout le temps les mêmes affaires. Donc, si vous aimez ça, voir ce jeu-là, tout ça, je vais en faire d'autres bientôt. Donc, abonnez-vous à la chaîne et partagez. Si vous voulez en projet, c'est bien, c'est montrer qu'il y a quelque chose à faire sur YouTube. Donc, je vous invite à faire très bien. Et à faire comprendre aux gens qu'il y a bien de mal sur YouTube, mais tout le monde qui en a une sur les États-Unis, puis en France, c'est partout dans le monde. Ouais. Ok! C'est vraiment ça le but de cette vidéo-là. Comment? Je reste fucké. Comment le début? Comment le début, début? Donc là ça a l'air à pouvoir progresser donc c'est
la mariée zombie, quand elle fait des livres à l'électricité. Je crois que c'est pas évident. Là. That's it. Come on, go, go, go. Je vais remplir ce voleur. Yes, sir. On a progressé, tout le monde. Ouais, on peut me féliciter. Vous mettez un j'aime. Partagez, laissez des commentaires positifs, tout le monde. J'attends vous lire vos commentaires. Merci pour les suggestions. Récemment, quelqu'un qui m'a suggéré des jeux. Je vais voir ce que je peux faire. Donc, pour les épisodes d'Ultra Gaming, tout ça, donc, ouais, on a tout le temps de recherche de jeux coopératifs, quoi, des jeux spéciaux, tout ça, là. Va où, là? Ouais, là. Ok, cool, fragment d'histoire, nice. Donc, je pense que ça va faire... D'habitude, les sessions de Ultra Gaming sont d'environ une vingtaine de minutes. Mais là, vu que c'est un épisode spécial, on va réussir ensemble à progresser. Donc, je vais rendre juste la prochaine séquence pour montrer un peu qu'est-ce qui vous attend pour la session numéro 16 de Ninja Gaiden Z Aiba. Donc, je suis bien content de l'avoir réussi à progresser cette fois-ci dans le temps, dans le temps donné. Oh wow. Donc encore des zones comme ça de ninja. Parcours ninja même. Donc ouais. On va voir qu'est-ce qu'il y a un peu plus loin. Encore une joueur. Cool. Je vais juste me rendre à l'autre côté. Donc ici, on avance. On va pas évident. C'est vraiment pas facile ça là. Donc ouais, on dépasse largement le cap des 20 minutes pour les ultra gameplay. C'est ainsi on dirait. Donc yes sir, on peut se rendre au prochain checkpoint. Donc dites-moi ce que vous avez mis dans les commentaires. Je vais apprendre à connaître aussi les abonnés, tout ça. Pour savoir eux autres c'est quoi qui serait fait dans tel contexte. D'ailleurs, dans ce contexte-là, que je n'étais pas capable de terminer le mode de la bataille en mode normal. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai mis ça en easy, en facile? Est-ce que vous pensez que j'ai bien fait? Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires. Donc, salut tout le monde, c'était QGNX, je me déconnecte. Et on se voit bientôt pour une autre vidéo de Ultra Gameplay. Donc sur la chaîne QGNX et QTNX, partagez tout le monde, prenez soin de vous, on se revoit bientôt pour d'autres ninjas.